Ok, bon, c'est vrai qu'on est en plein Hanouka, mais on va parler quand même de la paracha de Miketz. C'est une paracha qui est très intéressante. Elle a plusieurs volets, cette paracha en réalité. Donc évidemment, le premier volet, c'est cette histoire de rêve, d'accord, le rêve de Pharaon, et que seul Yosef va réussir à traduire, et grâce à ça, ça va en réalité changer l'histoire du monde. C'est ce qui va faire que Yosef va devenir le numéro 2 égyptien, etc., etc., Mishneh Lameler. Donc ça va vraiment changer la vie de tout le monde, et évidemment, ça aura une influence directe sur le peuple d'Israël. Alors, c'est important de voir ici, il y a un petit paradoxe comme ça qui fait que la semaine dernière, on a vu qu'ils se lèvent le matin, donc ils sont en prison, d'accord, le responsable de les chansons, je ne sais pas comment on dit en français. Hein? Les chansons et le panetier. Voilà, les chansons et le panetier, donc celui qui est responsable du pain et de la viennoiserie, l'autre qui est responsable du vin. Ils sont en prison. Les prisons égyptiennes, c'est pas vraiment, c'est même pas les prisons qu'on connaît aujourd'hui. Hein, je veux dire, même les prisons les plus difficiles à vivre, ça n'a rien à voir avec la prison égyptienne. La prison égyptienne, c'est une horreur. C'est un caniveau ambulant. C'est là-bas, les gens ils meurent comme des mouches, etc. C'est vraiment une vie très très spéciale. Et je ne sais pas. En tout cas, la Nekuda, elle est là. C'est que lui, il rencontre ces deux hommes-là, ces deux Égyptiens qui ont été jetés en prison, chacun avec son histoire. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Pourquoi vous faites la tête? C'est quoi ce qu'on a ce matin? T'as au Club Med ici? J'ai pas compris. C'est-à-dire que ce que t'as ce matin, c'est vraiment étonnant une remarque pareille. Comment je vais pas gagner? C'est normal que ces gens-là, ils ont une tête d'enterrement, ils ont quitté leur place dans le palais de Pharaon, ils avaient des conditions de vie, ils se retrouvent jetés dans un cachot, dans une prison égyptienne qui a l'air d'un caniveau. L'air de dire, si la Hashgacha, etc., mais d'un autre côté, on lui reprochera après d'avoir essayé un petit peu d'influencer l'histoire en demandant à l'autre, puisqu'il va traduire leur rêve d'eux. Il va demander à celui qui va être réhabilité par Pharaon, s'il y a besoin de moi, je suis là. On ne sait jamais, si tu veux, s'il y a besoin que je vienne traduire les rêves, etc., je suis là. Donc, quelque part, d'un côté, il te dit, là, je gara pratique, elle fait que vous êtes là, donc ce n'est pas la peine de faire la tête. D'un autre côté, je pousse un petit peu là, je gara. On ne sait jamais, si demain on a besoin de moi, vous savez que je suis là. Bon, en fait, le fait est que c'était deux petits éléments un petit peu paradoxaux, comme ça. Donc, évidemment, on arrive devant Pharaon, et Pharaon... Il est resté deux ans en plus en prison. Et donc, on arrive devant Pharaon, et là, Pharaon, il commence à raconter ses rêves. Alors, de prime abord, comme ça, on a le sentiment que tous ces ministres, tous ces sorciers-là, je crois que c'est des abrutis, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont pas capables de traduire le rêve de Pharaon. Mais apparemment, Pharaon, il a aussi un sixième sens, je ne sais pas comment on va appeler ça, où lui va ressentir la traduction, d'accord? Ils vont traduire certaines choses. Le phénomène d'avoir sept vaches maigres et sept vaches grasses, donc c'est les maigres qui vont manger les grasses. Sept épis gras et sept épis maigres, c'est les épis maigres qui vont manger les épis gras. Alors là, la question se pose. Ils disent, apparemment, tu vas avoir sept filles, et il va te naître sept filles, et ils vont te mourir aussi sept filles. Alors, chez Pharaon, ce n'est pas un problème. Il a un harem, donc c'est très possible qu'il ait sept femmes enceintes, et qu'il est très possible qu'il y a sept filles qui meurent. Mais il s'en parle. Ils disent, non, c'est pas ça le truc. C'est pas encore ça. Et quand, en vérité, Yosef, il vient et tu dis, c'est ça? Quoi, c'est ça? Oui, alors 7 années d'abondance et 7 années de famille.
Et donc, ce qu'il faut, et là, encore une fois, il va se placer dans le, dans le, dans la traduction du rêve, grâce à la traduction du rêve, il doit absolument se placer en disant, voilà, oui, il y a 7 années d'abondance, 7 années de famille, de famine, mais il faudra quelqu'un pour gérer la chose. Ça veut dire que pendant les 7 années d'abondance, il va falloir stocker, d'accord, tout ce blé, etc., pour pouvoir en profiter pendant les années de misère, les années de famille, de famine. Et alors tu te dis, mais attends, c'était pas si sorcier que ça quand même pour traduire ce rêve-là. Alors pourquoi ils n'ont pas compris ça? Qu'est-ce qu'ils ont... Je n'ai pas voulu leur mettre dans la tête. Hein? Je n'ai pas voulu leur mettre dans la tête pour expliquer ça. Il a mis dans la tête de Joseph. Oui, oui, non, mais ça c'est encore une fois, tu sors le joker à chaque fois, c'est Dieu. Non, mais pourquoi? Mais non, mais Dieu, c'est pas un joker. Non, le lien, c'est qu'il faut qu'on comprenne. Et qu'on comprenne pourquoi. Voilà. La réponse, elle est comme ça. Le problème qu'ils avaient, eux, c'est qu'ils ne comprenaient pas comment c'est possible que les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, ils soient au bord, d'accord, du Nil en même temps. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'il y ait en même temps des années d'abondance et des années de famine en même temps? C'est ça leur problème. Si tu dis que l'un vient après l'autre, il n'y a pas de problème. Ben, c'est facile à traduire. 7 vaches grasses, première image, ok, 7 années d'abondance. 7 vaches maigres, deuxième image, 7 années de famine, il n'y a pas de problème. C'est facile à traduire. Mais quand les deux sont ensemble, alors comment tu fais? Alors Yosef, il est venu, il leur a dit, mais c'est simple, c'est possible que ça soit ensemble. C'est-à-dire que pendant les 7 années de famine, tu vas, toi, 7 années avant, mettre en stock et engranger le maximum de choses dans des... Ils engrangeaient sous terre, comme ça, pour que ça soit... Pour que ça reste... Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient en même temps une abondance dans une situation de famine. D'accord? Donc, c'est ça qui a fait que lui, il a compris ce que eux n'ont pas compris. Alors, évidemment, c'est une des voies d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il est très proche des rêves comme ça. Donc, il a compris ça. Et c'est ça qui va lui donner l'ouverture, évidemment, de devenir le numéro 2 égyptien. Et là va commencer une histoire où il va retourner l'Égypte. Tout le monde va être tellement content de lui, d'accord? Il va être le numéro 2 égyptien et rien ne bougera en Égypte si lui ne donne pas son accord. Donc c'est quand même une situation assez exceptionnelle dans laquelle il va rentrer. En attendant... Les années passent et les frères de Yosef qui sont avec leur père, il y a la famine qui arrive aussi en Eretz Israël. Et là, on demande, et on va aller voir en Égypte, on a entendu que là-bas il y avait de la nourriture. Ah oui, c'était une famine. Bon, je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais en tout cas, oui, c'est possible. Il y avait énormément de famine. Oui. Ouais. Oui. Oui, ça veut dire que... Oui, non, ça veut dire que c'était pas possible de faire du commerce. Voilà. D'accord? C'était pas possible de faire du commerce, d'acheter en quelque sorte, en gros, des grandes quantités, des stocks égyptiens et de les revendre. Non. C'était chacun qui devait venir... Le représentant de la famille ne pouvait prendre la quantité qui pouvait servir qu'à une famille, d'accord? Il n'y avait pas moyen de revendre ou faire du business avec ça. Donc ensuite, il y avait une autre condition, c'est qu'ils devaient préciser leur nom de leur père et leur nom de leur grand-père. Donc ils avaient une précision comme ça. Et donc quand les enfants de Yaakov, eux, ils veulent venir en Égypte, ils vont dire peut-être qu'on va faire d'une pierre deux coups. Pourquoi d'une pierre deux coups? On va aller chercher à manger et peut-être qu'on va aussi peut-être trouver Yosef, parce qu'il a été pris il a été pris avec les Égyptiens. Maintenant, ils ne savent pas où il est Yosef, ça fait des années qu'ils ne l'ont pas vu, peut-être qu'on le verra un jour en Égypte, je ne sais pas. Et donc, Yaakov, il leur a dit, écoutez, c'est marrant parce que là, intervient la notion de Aïnara.
Yaakov, il avait peur du Aïnara, parce que c'était des bel hommes comme ça, de rentrer comme ça par le même, par la même arcade, par la même entrée. Et donc, il y avait plusieurs entrées, d'accord ? Donc, il leur a dit, vous allez prendre chacun une entrée différente, pour pas qu'on vous remarque, de manière à se passer... C'est un peu comme ça aussi qu'Abraham, avec Abraham Avinu, d'accord, quand il dit qu'il était à Beershava. Mais comment, tu reviens de la Hekeda, pourquoi on parle de toi? Alors Abraham Avinu, il a dit à Yitzhak, allez, va au Gan Eden, va à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Tout le monde va venir ici, il va voir les journaux, il va voir la télévision, ils vont tous venir ici pour t'interviewer, comment tu t'en es sorti, etc. Je ne veux pas qu'il y ait d'Aïnara sur toi. Donc, et on parle, on dit que seulement Abraham Beershava. Et Yitzhak, on n'en parle pas. Pareil ici, Yaakov, lui, il dit aux enfants, ne rentrez pas ensemble pour pas qu'il y ait de la Inara sur vous. Ok. Donc, ils vont pas rentrer ensemble, le Seder, mais seulement, justement, le fait qu'ils ne vont pas rentrer ensemble, ça va attirer l'œil, ça va attirer l'attention. Parce qu'il y a Ménaché, le fils de Yosef, lui qui est responsable de la gestion de... quand on va aux États-Unis, il y a le bureau de immigration, comme ça. Tu dois montrer ton passeport, il te donne un visa pour tant de jours, etc. Alors, il est responsable de l'immigration, là-bas. Ouais, alors, là, maintenant, il a très bien compris qu'ici, on a 10 personnes qui ont le même père, Yaakov, et qui ont le même grand-père, Yitzhak. Alors, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'ils sont tous de la même famille. Alors, ouais, alors là, Yosef, lui, Yosef, il va être plus fin, et donc lui aussi, évidemment, il a compris, donc il va les convoquer. Et quand il va les convoquer, alors il va les accuser d'être des terroristes, d'accord ? De venir faire du mal ici en Égypte. Et pourquoi ? Il leur dit, mais pourquoi vous êtes passés par 10 entrées ? Si vous êtes passé par 10 entrées, c'est que vous avez l'intention de faire du mal à l'Égypte. Vous êtes des terroristes. Et là, ils ont dit, mais pas du tout, mais ça ne va pas, on est venu chercher à manger, c'est tout ce qu'on veut. Et on a même laissé notre père avec notre 11e frère qui est là-bas. Alors maintenant, on pose la question. Comment c'est possible que lui, Yosef, il les a reconnus, mais que eux, ils n'ont pas reconnu Yosef? Comment c'est possible une chose pareille? Comment tu veux me dire que après X années, alors tu ne vas pas reconnaître quelqu'un? Alors bon, c'est vrai que Yosef, il était à ce moment-là barbu, et eux, Yosef, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Parce que lui, il est sorti à l'âge de 16 ans, 17 ans. Oui, il est sorti à l'âge de 17 ans. Il s'est passé 20 ans. Comment? Ouais. Non, il avait les amis du Marcos. C'était une espèce de premier ministre, oui, bien sûr. Le lien est comme ça. D'abord, il faut comprendre qui était Yosef. D'accord ? Yosef, c'est celui qui a toujours été le préféré, mais on va comprendre un petit peu le mental dans lequel ces enfants-là, ils ont grandi. Quand Yosef, il va devoir présenter sa famille à Pharaon. Quand il va devoir présenter sa famille à Pharaon, il leur dit attention, parce que eux, ils ne voulaient pas rentrer dans le gouvernement, entre guillemets, de Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a présenté les 5 frères les plus menus, sur les 10, d'accord? Il n'a pas présenté les costauds, il a présenté 5 frères les plus menus, et tout de suite, il leur a dit, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous savez faire? Vous répondez, nous on est des bergers, c'est notre métier, on ne sait rien faire d'autre. Pourquoi? Alors, de tout temps, on a eu affaire dans l'histoire d'Israël, si vous voyez la plupart des rôles qu'ont eu les grands d'Israël, ils avaient des rôles qui leur permettaient de s'isoler, d'accord? Moshe était berger, Yaakov était berger, Abraham, bon, il avait sa retrouve, mais bon, lui, il avait... Yitzhak,
Il était dans la nature, il creusait des puits. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas impliqué dans la vie des villes. D'accord ? Il ne vivait pas dans des villes. Il ne vivait pas dans des grandes concentrations. Parce que justement là-bas, ils avaient peur de ces grandes concentrations. Parce que là-bas, il y a plus de tentations à faire du lashon hara, à avoir des tentations des gens qui vivent, etc., etc. Le vol, le truc. Donc, ils ne voulaient pas être mêlés à ça de manière à se préserver spirituellement. Donc, de tout temps, ça a été une forme, d'accord ? Ça a été une forme, c'est un mental qui a pour effet de préserver justement le juif de la faute. Le fait de s'isoler. Parce que, quelque part, ça aurait été un rêve pour Pharaon d'avoir tous ces enfants-là, il aimait ministre de ci, ministre de ça, et là, dans ces cas-là, il a un empire très fort, et à leur tête avec Yosef, il est comblé. Mais là, tout de suite, eux, ils ne voulaient surtout pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que le mental de la famille de Yaakov, c'est d'abord et avant tout s'isoler de manière à ne pas chuter dans le mélange qu'il peut y avoir dans la vie urbaine. D'accord ? Ça, ils étaient très sensibles à ça et ils se protégeaient. Alors, ça vient nous apprendre quoi ? Ça vient nous apprendre que dans le mental des enfants de Yaakov, on ne se mélange pas dans la ville. On ne prend pas une responsabilité politique. Donc, quand eux, ils se retrouvent devant Yosef, ça ne leur vient même pas à l'esprit de penser une seule seconde que Yosef a une place dans le gouvernement égyptien. Parce que ce n'est pas du tout dans le mental de la famille de Yaakov de rentrer là-dedans, au contraire. Tout le mental de la famille de Yaakov, c'est de fuir les responsabilités politiques, de fuir les responsabilités communautaires, justement pour ne pas être impliqué dans la vie de la ville. Toujours en dehors, dans les champs, isolés, de manière à ce que chacun y puisse continuer son étude et son avodat Hashem, son service de Dieu. L'esclavage. Voilà, le travail dur. Ouais. Et lui a dit ça. Alors, quand c'est arrivé le moment, c'est Yosef qui est monté. Et c'était lui, c'est grâce à lui qu'eux, ils sont venus en Égypte. Oui, évidemment. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. On va dire que le rêve de Pharaon, il va changer toute l'histoire. Mais en attendant, on essaie de comprendre chaque épisode de l'histoire. Donc, pourquoi eux, ils ne reconnaissent pas Yosef? C'est parce que physiquement, il a certainement changé aussi, mais surtout parce que ça ne leur vient même pas à l'esprit de penser que Yosef, il peut être impliqué dans la vie politique du pays. Même pas en rêve. Alors maintenant, ok, toi Yosef, tu as reconnu tes frères. Alors, les années sont passées, d'accord ? On ne peut pas dire qu'on va tenir rigueur, est-ce qu'on va se venger, est-ce qu'on a la rancune, que ces gens-là, ils t'ont vendu, ils ont fait de toi un esclave, d'accord, et qu'à cause d'eux, t'es rentré en prison, etc., etc., etc. Alors, lui, il les reconnaît, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, normalement? Il aurait dû, mais attendez, ça va, calmez-vous, tout va bien, je suis votre frère Yosef, vous êtes les bienvenus, je vais m'occuper de vous, comment il va mon père? Comment, l'angoisse dans le ventre, comme ça, le cœur lourd, de ne pas demander après ton père, tu ne l'as pas vu pendant autant d'années, et que tu te caches encore d'eux en te faisant passer uniquement pour le ministre, le premier ministre de Pharaon, le numéro 2 égyptien, c'est tout. Et tu ne leur demandes pas comment tu peux tenir une chose pareille. Et plus que ça, on dire « Ah, vous me dites que vous avez un 11e frère là-bas avec votre père. Alors, pour l'instant, moi, je ne vous crois pas. Moi, je pense que vous êtes des terroristes et que vous êtes venus ici pour faire du mal à l'Égypte. Alors, si vous voulez me prouver votre honnêteté, alors je vais prendre Réhouven, je vais le mettre en prison et aller me chercher le 11e frère.
pour voir si vraiment vous dites la vérité. Regarde-moi ça. Alors, non seulement tu ne te dévoiles pas à tes frères, mais en plus, tu vas les faire souffrir comme ça à petit feu, entre guillemets, d'accord ? Il faut aller chercher le 11e frère. Et en attendant, tu mets Rouven en prison. Comment tu fais une chose pareille ? Quoi, tu ne pouvais pas dire, c'est moi Yosef, allez vite, ramenez mon père, ramenez Binyamin, on va faire la fête, on va vivre ensemble, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Non. Pourquoi ? Pourquoi tu fais tout ça ? Tu gardes Rouven en prison et tu leur dis, allez chercher Binyamin. Évidemment, quand eux, ils vont chercher Binyamin, Yaakov, il ne veut rien entendre. Il dit, non mais ça va pas ou quoi ? Je suis déjà en deuil de Yosef, au lieu que je sois en deuil aussi de Binyamin ? Non, je veux rien entendre. Ok. Donc les frères, ils ont dit, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu que la famine, elle devient insupportable. Et à ce moment-là, ils n'auront pas le choix que d'aller chercher de la nourriture. Et c'est ce qui s'est passé. La famine est devenue insupportable. Et là, il n'a pas eu le choix que de lâcher Binyamin. Et quand ils viennent tous devant lui, alors là, non seulement qu'il ne s'arrête pas, mais là, il faut qu'il ramène le père. Et quand ils vont partir, il va mettre le verre, d'accord ? Le verre d'or qu'il a, qui est une espèce de verre magique, d'accord ? Il se sert avec ça pour faire. Il va le mettre dans le sac de Binyamin. Et dans ces cas-là, il va mettre Binyamin en prison. Jusqu'où tu vas ? Où tu vas ? Pourquoi tu lâches pas tout de suite l'information et c'est tout ? On va pas maintenant retourner en arrière, ce qui a été fait, il a été fait, ça va, pourquoi autant de trucs ? Écoutez bien. Yosef, de la même façon qu'il est capable de traduire les rêves, il est très sensible aux rêves. Il y croit aux rêves. Et vous vous souvenez que le premier rêve qu'il a fait, d'accord, qui lui a coûté d'être haï par tous ses frères, c'est que justement, il disait que les frères vont venir se prosterner devant lui, et ensuite son père va venir se prosterner devant lui. Donc en réalité, ici, il est en train d'aider la vie à créer cette situation de manière à ce qu'il vienne se prosterner devant lui. Donc il fallait qu'il y en ait 11. Donc il fallait envoyer chercher Binyamin. Quand Binyamin il est venu, à ce moment-là, ils sont tous prosternés devant lui. Mais maintenant, il manquait le père. Donc il a gardé Binyamin. Allez chercher le père. Et là, quand le père il est venu, lui aussi s'est prosterné devant lui. Mais à la différence qu'il lui envoyait un indice. Il était en train d'étudier un sujet quand il a quitté son père et il a envoyé, je ne sais plus, 22 agneaux. Et là, pour faire comprendre à son père que le sujet de l'étude qu'on avait, quand je suis parti, voilà, ne t'inquiète pas, je continue, donc je te fais une allusion que c'est moi qui t'envoie chercher. Bref. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Oui, mais ça n'empêche pas que même s'il dit à ses frères qui il est, d'accord, il va piéger Binyamin. Binyamin, il savait que c'était son frère, parce qu'il a d'abord dit... Comment ? Binyamin savait déjà que c'était son frère, parce qu'il s'est trouvé seul avec lui, il lui a dit, je suis ton... Oui, après, mais eux, ils partent chercher leur père parce que Binyamin est enfermé. Ça veut dire que pour avoir vraiment, entre guillemets, confiance en eux, il faut qu'ils fassent venir le père. Il a trouvé l'art et la manière de les faire venir les uns après les autres, de manière à ce qu'ils se prosternent devant lui les uns après les autres. Pourquoi ? Alors, d'abord, c'est pour être fidèle aux rêves. Il a fait des rêves comme ça, qui sont très très forts, et lui il y croit à 100%. Donc il a été fidèle au rêve, donc ils sont prosternés devant lui. Mais là, on veut nous apprendre quelque chose d'exceptionnel.
La Torah veut nous apprendre que, en réalité, pour réparer quelque chose, il faut recréer une situation similaire, mais cette fois-ci, ne pas chuter. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui, dans une certaine situation, il a chuté, d'accord? Il a fauté. Akadosh Baruch Hu, pour que cet homme, il retrouve en quelque sorte l'équilibre, ou qu'il répare, d'accord, la faute qu'il a fait, il faut recréer plus ou moins la même situation, mais cette fois-ci, il ne va pas fauter. Cette fois-ci, il va dominer, il va réussir. C'est comme ça qu'on répare une situation. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, tu as vécu une certaine situation, tu as chuté, il y a eu un échec, cet échec t'a emmené à la faute, et c'est fini. Maintenant, va réparer, va étudier, va faire du bien, faire ce que tu veux, ok? Mais c'est fini cette situation. En vérité, c'est une situation qui était là pour quoi? Ok, cette situation était là pour te tester. Le test a fait que toi, tu as subi un échec, ça n'a pas marché, tu as fait la faute. Mais pour réparer ce qui a été fait dans certaines circonstances, il faut que ces mêmes circonstances se représentent, je ne sais pas quand, et que là, à ce moment-là, devant les mêmes circonstances, cette fois-ci, tu dis non, je ne fais pas la faute. Et là, tu as réparé. Vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, d'accord, combien de fois on se fait avoir et on refait les mêmes bêtises? Ce n'est pas que tu fais une fois une bêtise et après tu ne la fais plus. Si on était capable de faire ça, ça serait top. Mais à chaque fois, on se dit mince, je me suis fait encore avoir. Par exemple, vous imaginez tout de suite, c'est pas dans quoique, peut-être même à certains stades, même un criminel, d'accord? Un criminel, il tue quelqu'un et dit, mince, je me suis fait avoir, je me suis fait emporter par mes nerfs, d'accord? Et la fois d'après, oh mince, je me suis encore fait emporter par mes nerfs. Ou alors, tu as quelqu'un qui est en face de sa femme, ou en face de sa communauté, ou en face de ses amis, ou en face de sa famille, et qui s'emporte de colère. Qui dit « mince, je me suis encore fait avoir ». Tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas te contrôler. « Mince, je me suis fait encore avoir ». Donc, vous voyez bien que les situations, elles reviennent. Les événements se répètent. Ce n'est pas des événements qui sont uniques, qui ne reviennent jamais. D'accord? C'est faux. Puisqu'en réalité, la vie, elle est faite d'événements qui reviennent. D'accord? Il n'y a pas des événements nouveaux dans la vie, d'accord? Il y a des habits nouveaux, il y a l'apparence de l'événement, il paraît comme ça nouveau. Mais le sens de l'événement, le fond de l'événement, c'est le même, habillé dans d'autres habits. Alors, oui d'accord, mais il faut comprendre nous. Nous, on doit comprendre. Écoutez bien. Mettez-vous en mode avion. On ne peut pas avancer dans la vie sérieusement si on n'est pas sensible à reconnaître une situation qui, à nous, nous paraît nouvelle, mais qui, en réalité, la copie plus ou moins, de situations que j'ai vécues avant et que je n'ai pas réussi à dominer. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelque part, il faut avoir dans l'esprit, quelque part dans la tête, dans une case dans la tête, fais attention, des choses qui vont se présenter devant toi, d'accord? Qui vont engendrer une colère, qui vont engendrer que tu lèves la main, qui vont engendrer que tu ne donnes pas d'argent, qui vont engendrer que tu fais du mal, qui vont engendrer que tu ne vas pas hésiter à écarter quelqu'un
pour obtenir une place dans un travail, que tu ne vas pas hésiter à cacher la monnaie, que tu ne vas pas hésiter à vendre quelque chose qui coûte un shekel, tu vas le vendre 100 shekels, parce que tu vois que quelqu'un est devant toi, il est un peu simple et qu'il va accepter d'acheter, etc., etc. D'accord ? C'est mille et une choses, ce n'est pas automatiquement que des avérotes super production, d'accord ? C'est des petites choses de tout la... De la alors tu préserves, quand se passent aussi des choses beaucoup plus sérieuses, là c'est... Bon, en tout cas pour bien comprendre, Léonien. Donc c'est-à-dire que c'est des choses qui vont se répéter. Mais des fois... Si nous on n'est pas... si nous on ne maîtrise pas, si on ne cherche pas à se maîtriser, si on ne cherche pas à être un peu plus concentré, si on ne cherche pas à être prêt à recevoir un événement et tout de suite analyser cet événement dans le sens où pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire dans cet événement-là, alors on n'apprend rien. J'ai le même juif qui vient tous les jours et qui tend la main et tous les jours je fais semblant que je ne l'ai pas vu. Il viendra bien un jour où tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Un juif qui tend la main, alors tu lui mets ce que tu peux dans la main. Mais tu ne fais pas, je n'ai pas vu. Donc ça, je vous parle de ça. Mais il y a mille et une choses. Mille et une choses. Tu n'as pas réagi comme il se fallait avec ta femme. Tu n'as pas réagi comme il se fallait avec ton enfant. Alors, ok, on est des êtres humains. On est fait de chair et de sang. On est truffé de défauts, d'accord ? On est truffé de fragilité. Donc la situation se représente une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Oh, jusqu'à quand? À quel moment tu vas être capable de dire, là je ne me ferai pas avoir? Parce que les situations vont être représentées. Et de la même manière que tous les frères de Yosef, ils avaient dit, ah, et bien maintenant on va le jeter parce qu'on le haït. La même situation s'est reproduite, ils sont retrouvés devant Yosef, mais là, ils ont quelque part tous demandé pardon. En se prosternant devant lui. Là, ils n'ont pas cherché à le haïr, entre guillemets. Donc tu vois bien qu'il faut recréer la même situation, plus ou moins, pour que on te donne l'occasion de la réparer. Mais nous, on est tellement batata qu'on nous remet 100 fois la même situation et 100 fois on réagit de la même façon. Alors justement, c'est pour qu'un jour, on se réveille et qu'on réalise que cette situation qu'on nous remet devant le nez, ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas avancer dans ta vie d'une étape à une autre si tu n'as pas réparé l'étape qui est nécessaire d'être réparé. Et comment tu la répares? C'est qu'on te met de nouveau devant la même image, mais cette fois-ci, tu réagis comme il faut. C'est ça la réparation. Être immunisé. Comment être immunisé? C'est-à-dire accepter la chose, la faute, et de voir tout le monde. Non, pour être immunisé, il faut constamment avoir à l'esprit que chaque événement qui passe devant moi, c'est un message de Dieu. C'est une providence divine, c'est une hashgacha pratit, il faut que je cherche en quoi cela me concerne à moi. Parce que si je ne réfléchis pas comme ça, alors dans ces cas-là, je peux vivre comme une BMA toute ma vie et jamais chercher un lien, pourquoi je dois vivre ça. Et pourquoi pas? Et si je dois vivre quelque chose, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Alors, je n'ai pas dit qu'on va trouver des réponses à tout, mais on va au moins essayer de faire l'effort de comprendre. Parce que je peux répéter la même image, mais si je vis comme une BMA, je ne me pose pas la question et je vais réagir de la même façon à chaque fois. Quand vous connaissez tous ça, le piège qu'on tend aux gens, à chaque fois on rigole, tiens, tu vas voir, regarde, je vais lui dire ça à tous les coups, tu vas voir, il va réagir comme ça. Et c'est vrai, à tous les coups, c'est comme ça qu'ils vont réagir.
Il y a des phrases clés, il y a des mots clés, il y a des gestes clés. Quand tu fais à quelqu'un ou quand tu dis à quelqu'un quelque chose, tu te rends compte avec les années qu'il réagit toujours de la même manière. Il y a des choses comme ça. À tel point que, vous savez bien qu'à partir d'un certain âge, quand sur certains sujets, vous savez déjà par cœur ce que votre mari va dire. Ou le mari, il sait par cœur ce que la femme, elle va dire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce sont des images, des événements qui se répètent. Et on a la fâcheuse habitude de refaire la même chose. De répéter la même chose. De réagir de la même manière. Alors que tout le inyan de la Torah, c'est justement être capable de se remettre en question à chaque instant. C'est ça tout le inyan de la Torah. Être capable de se remettre en question. Ce n'est pas la chose la plus simple, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, ici, quand on voit Yosef, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous enseigner deux choses. Lui, il voulait être fidèle avec la Hashgaha Pratit, cette espèce de névoie qui lui est apparue dans l'esprit par le biais de ses rêves, d'un côté, et d'un autre côté, il veut nous enseigner qu'on ne peut pas réparer une chose. Pour réparer une chose, il faut recréer un événement similaire, semblable, et cette fois-ci, ne pas réagir de la manière dont on réagit la première fois, pour réparer cette chose-là. C'est ce qu'on appelle le tikkun. D'accord ? Comment on est metaken ? Quelqu'un qui n'a jamais fait une bracha sur une pomme, d'accord ? Mange une pomme. Un jour, on va lui donner une pomme et c'est toi qui vas faire la bracha sur la pomme. Donc là, vous voyez bien que le geste, il a été répété. Seulement, il a été metaken auto parce que cette fois-ci, il a fait la bracha sur la pomme. D'accord ? Ce sont des gestes qui reviennent, d'accord ? Des événements qui reviennent. Ce n'est pas des événements qui relèvent de la science-fiction. C'est des choses toutes simples. Les gens qui n'ont jamais béni le pain, alors ils vont faire la bracha sur le pain. Les femmes qui n'ont jamais été au mikvé, alors elles vont retourner au mikvé. Cette fois-ci, ils vont faire la bracha sur le mikvé. Etc, etc. D'accord ? Donc, il y a mille et une choses, c'est toujours des événements qui n'ont pas été gérés comme il faut, qui vont se représenter pour qu'on les répare. C'est ça le message aussi de Yosef. Et c'est formidable. Parce qu'il nous apprend vraiment, quelque part, le secret du tikkun. Tu ne peux pas laisser une chose pas réparée. Ça ne peut pas être comme ça. Parce que si Dieu t'a créé une situation, c'est pour que tu arrives un jour à la réparer. C'est pas pour qu'elle soit irréparable. Alors, il est très possible que, malheureusement, puisque nous sommes dépendants de notre libre arbitre, d'accord, on a une âme divine, on a une âme animale, il est très possible que durant toute une vie, on n'ait pas réussi à tout réparer. Donc, il y a encore des choses qui n'ont pas été réparées. Et là, malheureusement, alors on va réparer ça pendant les 11 mois du décès de la personne. Alors ça va être réparé dans les mondes spirituels. Mais il y aura une réparation. Ça ne peut pas rester sans réparation. Donc voilà, la qualité de le message de Yosef. Et pour finir, il faut bien comprendre ici la faculté hors norme de Yosef. Eux, les frères, ils n'avaient pas l'envergure de Yosef pour pouvoir être impliqués dans les choses de la ville, dans les choses du gouvernement, dans des choses avec lesquelles ils ont du pouvoir, dans le mélange qu'il peut y avoir dans les villes, comme Yosef. Yosef, il a été capable d'être le numéro 2 égyptien et d'être attaché à Dieu corps et âme. C'est pas la chose la plus facile. C'est très difficile de faire ça. Un homme, vous voyez bien aujourd'hui même, bon, ils n'ont pas l'envergure de Yosef HaTzadik, mais tu vois bien que les gens, même qui sont religieux dans le gouvernement, c'est très difficile. Même religieux dans une ville qui n'est pas entièrement religieuse, c'est difficile. D'accord ? Donc comment lui, il a pu avoir cette force-là ? Ce n'est pas un petit rôle qu'il a.
C'est un rôle exceptionnel, il a des servants, il a une maison, il peut en claquant du doigt, il peut faire ce qu'il veut. C'est quand même une force, c'est quand même une bracha d'en haut qui fait que cet homme-là, il reste attaché à Dieu, même en Égypte. D'accord ? Et ça ressemble un petit peu à l'assimilation de Hanouka, de rester attaché à Dieu malgré la force de l'assimilation. Quand les Grecs, ils n'ont pas détruit le Echal, le Kodesh HaKodashim. Les Romains, oui. L'armée de Babel, oui. Mais pas les Grecs. Les Grecs, ils ont fait rentrer de la Touma dans le Echal. Il n'y a pas de problème, gardez votre Echal. Mais mettez des symboles à nous. Des symboles d'impureté, des symboles d'idolâtrie. Pas de problème, c'est ça l'assimilation. Restez juifs, il n'y a pas de problème. Marie-toi avec quelqu'un qui n'est pas juif, c'est tout. Tu veux rester juif, reste juif, il n'y a pas de problème. Mais qui n'est pas de barrière pour que tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas juif. C'est ça en vérité. Yosef, il doit gérer tout ça, pareil. D'accord, il est dans un monde où là-bas les tensions sont fortes. C'est un peuple, c'est l'industrie, c'est plein de choses. C'est beaucoup de force, beaucoup de kavod, beaucoup de pouvoir. Ces frangins, ces frères, ils ne sont pas capables d'assumer tout ça. On dit restez-vous en tant que berger, et là-bas vous serez tranquille avec mon père. Mais lui, il a la force de le faire. C'est une force exceptionnelle. Et c'est grâce à tous ces enseignements que l'histoire va faire qu'on va, nous tous, vivre quelque part cette situation d'être complètement mélangé dans la laïcité, qu'elle soit goy ou pas, parce qu'avant on était mélangé dans la laïcité avec des goy. Alors peut-être que quelques-uns d'entre nous, ça a réussi peut-être à les réveiller, d'accord ? Mais après, quand on va être mélangé dans la laïcité juive, ça c'est déjà plus difficile à gérer. C'est toujours le même combat. La seule et unique façon de pouvoir dominer les deux situations, c'est d'être attaché avec une corde, entre guillemets, avec là-haut, avec Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas la capacité d'avoir la tête au-dessus de l'eau, alors tout le monde peut se noyer. Et ça c'est un travail qui est extrêmement dur, évidemment. On n'est pas au niveau de Yosef, mais on connaît des Juifs qui sont arrivés, malheureusement, dans des situations et dans des niveaux politiques ou dans les affaires, etc., à des niveaux très très élevés. Bah, tu vois bien qu'aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de leur judaïsme. C'est très difficile, très 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 difficile. Donc voilà, le jumelage de la vie de Yosef avec notre époque de Hanouka. Et pour nous apprendre encore une chose, pour réparer, il faut revivre la même situation et la réparer. Ensuite, il faut qu'on ait la force de tenir, coûte que coûte, les vents et les courants de l'assimilation tout en restant attaché à Dieu. Il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Voilà. Hanouka. Ouais. Enlevé, il l'a enlevé. Donc il a mis des habits des Égyptiens pour qu'il ne fasse pas rentrer. Il n'y avait rien. Ouais. La deuxième fois, quand il était chez Potiphar, ouais. Il a laissé son habit. Ouais. Il est parti. La deuxième fois, il était en prison. Et quand ils ont voulu l'emmener chez le roi, ils vont l'emmener comme on avait les habits de prison. Ouais. Ils l'ont coiffé, ils l'ont bien arrangé. Ouais, ouais. Et l'emmener. Trois fois, il a changé. D'accord. Les habits dans la Kabbalah, c'est Marshava Dibur Maaseh. Les habits, c'est la pensée, la parole et l'action de l'homme. Ce sont les habits de l'âme, en vérité. Ce n'est pas simplement les habits. Et les habits se changent, d'accord ? Les pensées, tu les changes. Les paroles, tu les changes. Tes actions, tu les changes. Alors, c'est comme ça que les habits ont été changés. Il va falloir, c'est une évolution dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Bon, mais ça, c'est déjà plus compliqué.